De Digne-les-Bains dans le sud à Salon de Provence, il n'y a qu'une petite route provençale. Ah, on adore. Qu'on imagine très bien prendre le matin, à la fraîche, avec la garrigue, les cigales. Nous, on est à Saint-Denis. Hein. Donc c'est... un peu moins glamour. C'est un peu moins glamour. Notre ami René Mendès a bien évidemment fait son travail avec dextérité. Il a trouvé deux très beaux biens exclusifs pour cette émission. Et des biens rares, hein, parce qu'il m'a parlé de cette maison avec des carreaux de ciment des années 1900, il m'a dit c'est très très rare. Et puis un appartement aussi très bien placé, près d'une place festive. Donc on va aller pouvoir faire la fête avec lui là. Alors la fête, ils s'y sont mis à trois pour faire le reportage. C'est bien. Alexandre et Fabienne sont de la partie, ils sont en place et ils nous présentent ces images exclusives. Allez. Entre les Alpilles, la Camargue et Marseille, Salon de Provence est on ne peut mieux situé. Son cœur de ville, à la fois médiéval, avec le château de l'Empérie, et provençal, ravit les locaux comme les touristes. Plutôt que de visiter la demeure de Nostradamus, qui n'est pas à vendre, retrouvons René Mendès et ses collègues de Provence Immo. C'est une maison pleine de charme, au cœur du centre-ville. Je laisse Fabienne vous la présenter. À tout de suite. Cette maison de 120 mètres carrés, sur trois niveaux, est sur une parcelle de 143 mètres carrés, ce qui permet d'avoir un jardin d'une cinquantaine de mètres carrés et de sa piscinette. À l'étage, vous avez une belle chambre parentale de 15 mètres carrés. Une seconde chambre. Dans cette maison, vous avez un WC à chaque niveau. Et un bureau. En rez-de-chaussée, vous avez une pièce qui peut servir soit de salon, soit de chambre ou d'un local professionnel. Vous avez également la cuisine ouverte qui donne sur la jolie pièce à vivre. Vous avez accès à la terrasse de 30 mètres carrés. En souplex, vous avez une très grande pièce, toujours avec hauteur sous plafond. La pièce fait 26 mètres carrés. Vous avez également le garage de plus de 30 mètres carrés. Cette maison est faite pour les amoureux de l'ancien. Des tomettes, des carreaux de ciment, une hauteur sous plafond de 3,60 m avec rosace. Pour cette maison pleine de charme au cœur du centre-ville de Salon de Provence, avec son jardin, sa terrasse et sa piscinette, d'une superficie habitable de 120 mètres carrés, le consultant René Mendès et Fabienne Hernandez ont négocié cette exclusivité au prix de 517 000 euros. Pour le deuxième bien que nous allons vous présenter avec Alexandre, il s'agit d'un T2 bis plein de charme avec un joli balcon situé à proximité de la place Morgan. C'est parti. Cet appartement de 52 mètres carrés est situé au 4e étage avec ascenseur, orienté plein sud et sans vis-à-vis. Dès votre entrée dans l'appartement, vous allez arriver sur une cuisine totalement équipée. Celle-ci donnant accès à un salon, ouvert sur un balcon de 6 mètres carrés orienté plein sud. Depuis le salon, vous aurez également accès à un bureau de plus de 8 mètres carrés. L'espace nuit, quant à lui, est composé d'une salle d'eau avec dressing ainsi que d'une grande chambre. Tout l'appartement est d'ailleurs équipé de la climatisation. Pour cet appartement situé au cœur du centre-ville de Salon de Provence, d'une superficie de 52,12 mètres carrés composé de trois pièces et entièrement refait à neuf, notre consultant René Mendès et Alexandre Volou ont négocié cette exclusivité au prix de 199 000 euros.